patronat. Ouais, j'emmerde le chef, c'est supérieur hiérarchique. Car même si le taf est bien F, ils sauront couper la chic, c'est pathétique. Voir à quel point on participe à sauvegarder un mode de production aussi archaïque. C'est moi qui trime et qui ressens les motos, pourtant payé à coup de trick. Comme un clando chez McDo, alors qu'en haut, y'a du champagne et des petits fours. Ils ont mis l'ascenseur social en panne et s'éclatent comme des petits fous. Ils gardent seulement les plus dociles, les travailleurs. C'est si facile, surtout quand ces derniers ne comptent pas leurs heures. Ceux-là, on les exploite sans fin, puis on les opposera à ceux qui recherchent un putain d'emploi en vain. T'as vu refrain, j'ai capté le refrain. C'est pas le taf qui m'effraie, mais dans ces conditions normales, j'y mets un frein. Et puis j'ai des passions pour m'extraire de la surconsommation que le pôle emploi m'épargne ses interrogations. Ouais, j'suis pas l'employé modèle, c'est au premier sens du terme que le travail est mortel. Les patrons sont visés, toujours le même combat. J'ai du mal à signer ce qu'ils appellent contrat. Ici y'a pas d'employé modèle, mais que des gars qui te parlent d'esclavage moderne. Et pour supporter le tripalium, les toupies proposent Exomil Valium. Y'a pas que la mesure que j'tape avec j'minutie. Je sors du pas, je reste fils du SMIC. Au chantier, je suis grave comme sur des lignes d'usine. Et aux yeux du cadre, je suis qu'un type stupide. Où le profit fustile, pas dans l'essor du rap, ni dans l'aide aux populaces qui définissent rue de vie. Check l'indiscutable système si cupide. Les pensées faisant du charme sont subversives, mutiles. Et je trim survie dans les vapeurs des plus hard. Je vois les pinces du crabe, le soir le spleen se rumine. Chaque contrat une cage au multi-supplice. Le boss brasse du cash, l'ouvrier lui fulmine. Comptez pas sur moi pour être une petite turbine. Ou l'employé du mois qui veut devenir plus riche. Plume dans le futal, je pondrai mille et une rimes. Me montrer du doigt, perdant le fil du rythme. Ouais, j'suis pas l'employé modèle. C'est au premier sens du terme que le travail est mortel. Ouais, j'aimerais savoir pourquoi je trime. Pourquoi j'avance pas, non. Et j'y laisse la santé en prime. Ici y'a pas d'employé modèle, mais que des gars qui te parlent d'esclavage moderne. J'ai pas l'intention de me tuer à la tâche pour des coups de bâton ou des coups de cravache. De quoi on me parle? De qui on se moque? Moi je suis de ceux qui se ruinent la santé pour un SMIC, c'est moche. Chacun de mes gestes vaut de l'or, et mon boss ne me propose même pas 10 euros de l'heure. Je me fais du souci pour mes proches et leurs gosses, et l'angoisse monte en fin de moi quand j'explore le fond de mes poches. Ici on travaille plus pour la survie, chacun s'accroche à son job et subit un supplice. C'est ma rancune et ma rancœur que je marmonne quand je charbonne et que je gratte qu'une miette du pactole. Beaucoup de mes collègues ont chopé la sarcose, ils laissent nos droits et leur colère dans un cercueil. La cadence est atroce, la méthode féroce, c'est rien, l'obéissance est précoce. On te l'apprend dès l'école, le travail c'est mortel. Ah ouais, mais comme à France Télécom. Ouais, j'suis pas l'employé modèle, c'est au premier sens du terme que le travail est mortel. Ouais, j'aimerais savoir pourquoi je trime. Pourquoi j'avance pas, non. Et j'y laisse la santé en prime. Ici y'a pas d'employé modèle, mais que des gars qui te parlent d'esclavage moderne. Et pour supporter le tripalium, les toupies proposent Exomil Valium.